Alors, en trois mots, je crois que c'est la proximité avec les habitants. C'est le lien que peut faire le service culture dans tous les projets d'une collectivité. Et puis, c'est l'intérêt du projet. Alors, déjà, la décision collective, elle est prise collégialement, bien évidemment. Et je crois que notre rôle, c'est de mettre au service d'un projet, en l'occurrence d'une collectivité, des professionnels, et en l'occurrence des professionnels via des compagnies d'artistes ou autres, qui savent faire remonter la parole de l'habitant. Chose que les élus ne savent pas forcément faire. Les techniciens, c'est pas leur rôle non plus. Et je crois que c'est vraiment l'acteur culturel du territoire ou pas qui est là pour faire le petit déclic avec l'habitant sur une thématique quelle qu'elle soit. Alors, ces démarches artistiques, elles sont efficientes effectivement. Quand le projet arrive au bon moment, à la fois avec des financements, puisque rien ne se fait sans ça, à la fois sur des appels à projets quelquefois qui tombent très rapidement et il faut être prêt, il faut pouvoir répondre rapidement. Et puis, c'est tout un alignement de planètes qui fait que les choses se font à l'instant T et pas un an avant ou trois ans après. Je crois que c'est vraiment et du coup l'aspect culturel, c'est faire ressortir, faire lier tous ces petits trucs qui font que le projet va marcher.